Doamna Jolie, une minute. Il est plus facile de dire aux citoyens européens que si un nouveau drame n'a pu être évité, c'est parce qu'un outil soi-disant magique n'a pas été adopté par ces horribles naïfs du Parlement européen. Et j'utilise ici le qualificatif le plus sympathique qui a été utilisé à notre endroit ces derniers mois, plutôt que d'admettre que les outils existent, mais que malgré les alertes, l'augmentation du niveau de menace, on ne leur a pas consacré les moyens financiers et humains nécessaires. Alors on sort le PNR du chapeau. Les bases de données, les fichiers existent. Ce qui pêche, c'est la coopération, l'échange des informations. C'est cela que nous devons rendre obligatoire et que le PNR n'impose aucunement. Créons les conditions du succès, non celles de l'échec programmé d'une société ultra-sécuritaire aussi inefficace que dangereuse. Imposons aux États membres l'utilisation des fichiers existants, l'échange d'informations, permettons la coopération entre les services des États membres, formons-les à travailler ensemble, à se faire confiance, créons un parquet européen qui faciliterait les enquêtes, lèverait les derniers obstacles. Mulțumim. Doamna Hohlmeier, 1 minut și 30 de secunde. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich will ein paar Sachen richtigstellen. Erstens, wer für PNR stimmt, der stimmt für gemeinsame europäische Regeln, der stimmt für gemeinsame Datenschutzstandards und der stimmt für mehr und koordinierte Zusammenarbeit und gegen 28